100 membres du mouvement Nahda, y compris des dirigeants de premier rang, des membres du bureau exécutif, du conseil de la Choura et du bloc parlementaire, ainsi que certains dirigeants régionaux, ont signé une pétition adressée au chef du parti, Nahda Rached Ghannouchi, lui demandant d'annoncer clairement qu'il ne se présentera pas à un nouveau mandat. La pétition, rédigée en 6 pages, dresse un bilan négatif du rendement de la présidence historique du parti, déplorant la vague de démissions de dirigeants ayant eu lieu ces derniers mois. Le principe de l'alternance au pouvoir doit être respecté au sein du parti Nahda. Nous sommes dans un pays qui vit une transition démocratique. Les successeurs au pouvoir peuvent être plus jeunes ou même des femmes. Après avoir passé 29 ans à la tête du mouvement Nahda, Rached Ghannouchi se trouvait aujourd'hui dans une situation loin d'être confortable. Pire encore, il est au centre de toutes les tensions. En fait, le parti Nahda n'a jamais connu pareille situation et autant de problèmes internes depuis sa fondation. Certains observateurs de la scène politique ont qualifié d'historique et d'inédit. Le parti n'est pas à l'abri de grandes fissures en son sein. Pour les signataires de cette pétition, Rached Ghannouchi est appelé ouvertement à renoncer à toute intention de se présenter à un nouveau mandat à la tête du parti. Alors que pour ceux qui soutiennent encore Rached Ghannouchi, qui semble être minoritaire, Rached Ghannouchi peut continuer à la tête du mouvement qu'il a lancé depuis sa fondation il y a de cela un demi-siècle. Pour ceux qui soutiennent encore Rached Ghannouchi, à l'instar du chef du bloc parlementaire du mouvement Nourdine Lebhili, dont le nom ne figure pas sur la liste des signataires de la pétition, les remous au sein de Nahda ne sont qu'un indice de plus qu'il s'agit d'un mouvement démocratique, assurant ainsi que la liberté d'expression est garantie et que toute personne ayant un avis différent peut l'exprimer librement. Ils voient en cette situation un signe de bonne santé pour le parti.